Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu as beaucoup changé. Tu étais beaucoup plus ancré. Tu n'as plus peur de dire le mot Dieu. Tu n'as plus peur de plein de choses. Mais toi, quand tu as parti, justement, est-ce que c'était pleine conscience ou tu as commencé sur un autre sujet? Ton message, il a parti de quoi? Puis comment que tu as fait pour le amener à où est-ce que tu es? Très bonne question. Moi, qu'est-ce qui m'emmenait à tout ça? J'ai fait un burn-out. Puis après ça, je me suis intéressé au développement personnel. Puis quand j'ai éveillé à tout ça, ces connaissances-là, je me suis dit, mais pourquoi qu'on sait pas ça? Pourquoi papa, maman nous ont pas enseigné ça? L'école nous a pas enseigné ça? Et avec le temps, tout ça m'a emmené beaucoup plus du côté de la spiritualité. Puis aujourd'hui, honnêtement, je suis un super entrepreneur. Hein? Moi, je suis un éveilleur de conscience, mais je suis un top entrepreneur dans ma façon de faire les choses. Je suis dans l'abondance, mais je modélise toujours la nature. Mais toujours la nature, j'applique. Mais qu'est-ce qui fait que ça a changé de avant à aujourd'hui? C'est simplement ce qui passe à l'intérieur de moi.